Le Red Star 14e accueille Brest 7e. Il n'y a que 3 points d'écart entre ces deux formations. Le Red Star toujours privé de Bélion. Brest de son côté se déplace sans Joseph Monrose et Pelé blessé. Le Red Star est en forme. 2 victoires et 1 nul sur les 3 derniers matchs. Aucun but encaissé dans cette série. C'est à poursuivre au stade Pierre Brisson de Beauvais face à des Brestois qui essayent de prendre les initiatives. Bonne première parade d'Arnaud Baligeon. Le deuxième tir n'est pas cadré. Le Red Star se procure lui aussi une opportunité sur coup de pied arrêté. La sortie de Johan Hartog. Ballon repoussé des 2 points. Une première opportunité sur coup de pied arrêté pour les Odoniens. Brest essaye de se montrer plus pressant, de jouer plus haut. Les joueurs d'Alex Dupont qui prennent des initiatives et qui réussissent à obtenir cette bonne situation, le centre, et personne pour dévier la balle au fond du but. Brest qui a connu un petit souci un peu plus tôt, à la 23e minute, Melvin Platier a remplacé Mamadou Samassa. Un changement qui n'a pas d'effet pour le moment sur le match. Nouvelle possibilité bretonne. Avec ce bon appel de balle dans la surface. Le petit contrôle et pas de frappe. La talonnade et le Red Star qui s'en sort. Mais un espace dans la surface du Red Star qui a failli coûter très cher. Pour l'instant pas de but. À la mi-temps 0 à 0. Le Red Star n'a pris que 2 points sur 12 à domicile. Brest n'a pris que 2 points sur 12 à l'extérieur. Difficile d'imaginer qui va s'imposer dans ce match. Pour l'instant, le nul est assez logique. À l'heure de jeu, nouveau souci pour Brest. William Séa remplace Melvin Platier, celui-là même qui était entré à la place de Mamadou Samassa à la 23e minute. Changement effectué à la 63e minute. Des petits problèmes dans l'effectif brestois. Petit souci de blessure. Pour l'instant, ça ne change pas le score. Attention à Johan Hartog qui se permet un dribble sur un adversaire avant de redonner à ses défenseurs. En l'occurrence, Simon Fallet, son capitaine. Le Red Star qui insiste. Et Brest qui contre-attaque. Avec cette frappe complètement ratée. Sans danger pour Arnaud Baligeon. Bonne opportunité pour le Red Star sur ce coup franc. Et le ballon pour Rémi Fournier qui frappe en se retournant. 68e minute, c'est l'ouverture du score pour le Red Star. Premier but de la saison pour Fournier. Suite à une bonne combinaison. Et le geste qu'il faut pour Rémi Fournier. Le Red Star qui mène et Brest qui essaye de revenir avec ce centre. Et cette reprise, ça n'est pas cadré. Énorme occasion d'égalisation pour Brest. Mais ça passe à côté. Le Red Star qui résiste jusqu'au bout et qui gagne pour la première fois de la saison à domicile 1-0 face à Brest.